Il y a plein de choses à découvrir en dehors de l'Europe, dont des spots magnifiques comme celui-là, donc je suis super content d'être revenu encore une fois. Ce qui est extraordinaire par rapport à la saison actuelle, c'est qu'en France, on termine petit à petit à skier. Les stations ferment petit à petit. Et aujourd'hui, on est venu ici au Kazakhstan et on a une ville en contrebas comme Almaty qui est plus sous l'air d'un été avec des températures chaudes, avec beaucoup de fleurs, comme le printemps qu'on pourrait trouver en Europe. Et finalement, on monte une après-midi après, sous une heure ou une heure et demie. Et on se retrouve dans un endroit paradisiaque comme celui-ci, comme ce serait en plein hiver. Et on peut accéder à des sommets en dessus de 3000 pour pouvoir skier normalement comme si on était en plein hiver. Extraordinaire. Alors là, on se trouve dans une fabuleuse place au-dessus de Chimboulak, au Kazakhstan. Donc pourquoi venir ici? Tout simplement parce que c'est complètement sauvage. Il n'y a pas beaucoup de voisins. Il y a des énormes montagnes tout autour, pas difficile d'accès, donc c'est un petit peu le paradis du freeride en fait. Et le deuxième point, c'est aussi que je voulais amener mon pote ici. Donc c'est cool, il a beaucoup apprécié je pense, enfin il vous en dira un peu plus. Et puis voilà, on est dans une yourte, il fait beau, il y a de la bonne neige, on est au mois de mai, c'est le Kazakhstan. La taille des pastèques. Ah si, franchement j'ai traditionné ça. Dans la bouche. Il choisit une chose. Vas-y, c'est vrai. Ouais. Allez, comme ça. Ouais. Oh putain. Ça se bat comme ça. Ouais. Putain. En fait, l'avantage du Kazakhstan, c'est qu'on peut tout faire sur une journée. C'est-à-dire, on peut se trouver à 4000 mètres d'altitude et en fin de journée, se retrouver dans le désert. C'est un peu le délire du coin, je dirais, de pouvoir mixer tout ensemble sur une journée. Donc ça aussi, ça fait la beauté du voyage. Alors là, on est monté en fait pour se faire un petit shooting. Le but, c'était de montrer les montagnes. Yeah. Cheers, guys. Ça, c'était logique, on va dire. Après, c'était de partager le moment aussi avec des amis qui nous ont rejoints. Des amis de longue date pour moi, que j'apprécie beaucoup. Et on s'est fait une session coucher de soleil absolument magnifique. Extraordinaire. Extraordinaire. Je ne sais pas s'il y a des mots en fait. Oh.
Un bel endroit, des belles montagnes. We break the seal on both. And the runes crescent the giant skull. Cast the skies of old. The profound. Le lendemain, on a eu un peu moins de chance, mauvais temps, c'est la montagne en même temps. Donc on a tourné un petit peu autour de la yourte. Ok, such a nice weather to ski in the couloir. So lucky to have such a good powder snow in the end of it. Almost on the top, and the weather is getting worse. Let's go with Dasha. Sasha is here. The weather changed very quickly. Et on finit aujourd'hui par une journée, une session juste d'anthologie. On s'est mis une bonne petite mission quand même de 4h30 pour monter, mais on s'est fait un ski énorme. Pour un mois de mai, c'est juste énorme. Donc voilà, on se retrouve à plus de 3008 et on partage avec les potes. Enfin, il n'y a pas de mots en fait. C'est juste de l'émotion et du partage. We will see, we will check the snow conditions and decide if it's a good spot for today or not. The minor pass is almost 4,000 meters. It's a good plan for today? The panorama is absolutely amazing. Amazing! Si je peux rajouter quelque chose, je suis super heureux justement que Yannick m'ait présenté ses amis d'ici. Ça permet de découvrir la culture, découvrir vraiment comment les locaux fonctionnent et de pouvoir découvrir davantage de choses. Et puis, comme elle l'a dit, on s'est mis des belles missions. Et moi-même, je ne pensais pas pouvoir monter aussi haut et aussi longtemps. Donc, je suis super satisfait de ce qu'on a fait sur ces 3 jours. Great job. Donc on a partagé ces 3 jours avec des skieurs locaux qui nous ont vraiment impressionnés au niveau montée.
Bah, c'est plus des tracteurs que des humains en fait, donc c'était hallucinant comme ils étaient puissants, on va dire. Et en fait, on s'est rendu compte que leur niveau à ski en descendant était pas mal aussi. Donc en fait, on voit que le niveau augmente, ils prennent du volume, on va dire. Ils ont ces cours de guide aussi qui les développent. Donc en fait, je pense que c'est des personnes à qui on peut aller vraiment en toute confiance. Il n'y a pas de tête brûlée, ils ne cherchent pas à faire des trucs extrêmes juste pour faire des trucs extrêmes. Donc s'ils sont vraiment dans la bonne mentalité de la montagne en fait. Pas la recherche de l'exploit, mais le partage en montagne et passer un bon moment tous ensemble. There is blood. Oh. There is blood? Blade is blood.